Beaucoup de monde attendu cet après-midi à 14h30 à Bayonne pour les obsèques de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus décédé après une agression. Il avait demandé à des voyageurs de porter un masque. Ces voyageurs l'avaient ensuite mortellement frappé. Recueillement, hommage, émotion donc cet après-midi à Bayonne. Reportage RMC signé Margot Bédé. Famille, amis, anonymes, ils seront nombreux cet après-midi. Ce chauffeur de bus a donné rendez-vous à ses collègues une heure avant les obsèques. 13h30 au dépôt et on a un fret de 5 bus pour aller jusqu'à l'enterrement, pour accompagner Philippe dans l'au-delà. Sur les 600 places dans l'église, seules 200 personnes pourront entrer. L'ancienne institutrice de Philippe Monguillot le sait déjà, elle assistera à la cérémonie, même depuis le parvis. Je vais être dehors parce que c'est un garçon que j'ai eu en classe en CM2. Et que j'estimais beaucoup, qui était extraordinaire. Et je veux être présente, même si je ne peux pas rentrer à l'intérieur de l'église. Un écran géant retransmettra la cérémonie pour les personnes à l'extérieur. Une volonté de Véronique Monguillot, la femme du défunt. C'est un bel hommage qu'on va lui rendre à la hauteur de la personne qu'il était, parce qu'il était exceptionnel. Donc en fait, voilà, on a tout fait pour avoir vraiment une belle cérémonie pour lui, si on peut dire ça comme ça, pour lui dire adieu. Donc on s'est démené pour que ce soit vraiment quelque chose de grandiose et d'inoubliable pour tout le monde en fait. Le prêtre qui célébrera l'office est celui qui a marié Véronique et Philippe et baptisé leur fille.